Miss Canton 19 est un comité officiel qui a vu le jour en 2014. L'heureuse élue est présentée au concours Miss Corrèze sans avoir à passer les sélections. Tout d'abord, on apprend à marcher, puis après, on apprend les chorégraphies, la posture, le maintien de tête, enfin plusieurs choses comme ça. On a eu plusieurs répétitions pour préparer le spectacle et le 24 octobre a eu lieu l'élection à Userche. J'ai donc été élue Miss Canton le 24 octobre à Userche. J'ai ensuite participé à l'élection Miss Corrèze pour laquelle j'ai été qualifiée grâce à Miss Canton. J'ai été élue première dauphine le 2 avril à Aigleton et je participe également à l'élection de Miss Limousin le 16 septembre à Brive-la-Gaillarde à l'espace des Trois Provinces. Les sélections pour la prochaine édition sont d'ores et déjà ouvertes. Les profils que nous recherchons, ce sont des jeunes filles qui font 1m70 minimum, sans talons, sans tatouage, pas mariées, pas vexées, sans enfants. Cette année, le gala aura lieu à Trégnac le 22 octobre prochain. Le thème cette année, ce sont les années 30. Le jury est composé des personnalités du canton, de la présidente de Miss Corrèze, en présence du délégué régional pour Miss France, Madame Nadine Price. Le déroulement du vote, c'est le public qui élit les cinq premières. Sur ces cinq premières, c'est le jury qui élit la Miss et ses deux dauphines. C'était vraiment une super aventure. Je me suis éclatée, je me suis fait des super copines. Donc si ça peut vous intéresser, je vous invite à vous présenter en nous contactant sur la page Miss Canton 19 officielle.